chers amis du Petit Ballon, bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien avec ces fortes chaleurs, mais on a le vin qu'il faut. Ah, parfait, donc c'est un vin d'été, c'est ça? Un vin d'été, c'est un vin sérieux quand même. Et puis j'apprécie particulièrement, d'abord parce que j'ai visité le domaine, j'ai vu comment il travaillait, donc le domaine Pfister à Dellenheim. Et ce pinot noir, d'autant plus que je suis très difficile avec les pinots noirs en Alsace, parce que souvent c'est des vins un peu, allez, disons, insipides, faciles. C'est pas des pinots noirs de Bourgogne ou de Champagne. Vous êtes un peu dur là quand même. Mais je suis dur en général, mais c'est parce que j'aime beaucoup que je suis dur. Et là, j'ai trouvé vraiment le pinot noir qui correspondait à mes attentes et j'espère à vos attentes. Donc pinot noir 2014 du domaine Pfister. Donc là, on quitte la plage et on vient un petit peu dans les terres, là, en Alsace. On est plus proche du Rhin que de la Méditerranée, ça c'est sûr. Mais vous allez voir. C'est bien pour les vacances aussi. Hein, voilà. Dellenheim est un terroir extraordinaire, avec un peu de granit, un peu de marne, mais on a aussi beaucoup de pentes, donc une belle exposition au soleil. Donc pour la maturité des raisins, et notamment du pinot noir, c'est plutôt bien. Et si on prend un peu de recul par rapport à la région, en Alsace, c'est très connu pour ses blancs, mais ses rouges également. On le connaît où ? 90% de blancs pour 10% de rouges et rosés. Donc c'est pour ça qu'on connaît moins bien les rouges par rapport aux blancs. Voilà, et de toute façon, il n'y a qu'un seul cépage, on ne peut pas se tromper, c'est le pinot noir. C'est la Bourgogne du Nord, c'est ça? Voilà. Alors, le pinot noir est un cépage qui a une peau assez fine. Donc, c'est pour ça qu'on n'aura jamais trop de couleurs dans les pinots noirs. D'accord. Et donc, on a une couleur plutôt rubis, tendre, un dégradé mauve, encore jeune, plein de fraîcheur. C'est normal, c'est un 2014. OK. Alors, je remarque quand même, quand on remue le vin dans le verre, on a une certaine concentration. Donc, on est sur des petits rendements. Ce n'est pas un vin... Et ça, vous le voyez juste à l'œil par rapport à l'épaisseur. Tu vois, l'épaisseur dans le verre, c'est soit de l'alcool, ce n'est pas le cas là. Soit les petits rendements, la concentration sur le terrain directement. Ok, parfait. Donc, au nez. Fruits. Donc, le pinot noir est souvent sur la cerise. Hein, le côté prune, le côté plutôt fruit à noyau. Beaucoup de fraîcheur, un côté réglissé, un côté floral. Beaucoup de minéralité, effectivement. Dellenheim, c'est un vrai terroir. Voilà, donc, on a une vraie profondeur dans les sols pour les racines. Et donc, on a cette concentration minérale, effectivement, dans le vin. C'est très, très fruit, mais on pense que, vu la couleur, on n'a pas l'impression qu'il y ait autant d'arômes, c'est ça? Oui, c'est pas souvent les Alsaces, on pense toujours à ces vins un petit peu gouléants, fruités, faciles, gourmands. Non, là, il y a quand même de la gourmandise, du fruité, mais aussi quelque chose, une structure sérieuse derrière. D'accord, bon. En bouche. Attaque ronde, fruitée, suave et désaltérante. Donc on a du caractère, on a un côté désaltérant, une toute petite pointe de gaz, mais ça apporte cette fraîcheur supplémentaire. Ça rapproche la Méditerranée, c'est ça, la pointe de gaz? Oui, peut-être. Mais non, là, c'est vraiment un vin sérieux, on sent bien le terroir, c'est net, c'est pur, les vinifications de ce domaine sont impeccables, que ce soit pour les blancs d'ailleurs, que pour ce rouge. C'est super. Et ça, mais du coup, là, on est à bonne température, c'est-à-dire que c'est un peu légèrement fin. Frais, mais rafraîchi. Pas glacé, comme on voit dans les restaurants, des fois à 12 degrés, je trouve que c'est trop. Non, c'est 15 degrés, c'est parfait. Voilà, donc 15, là, on l'a à 15, moi, je trouve ça. Le fruit est évident, la structure n'est pas trop dure, c'est bien fondu, c'est gourmand, c'est friand, c'est croquant, et ça se boit très facilement. Et en accord, on va être avec quoi, là, du coup? Ah ben, bon, ça, on peut très bien, si on n'aime pas... boire du blanc ou du champagne à l'apéritif, on peut très bien boire ce style de rouge en grignotant quelques charcuteries, quelques rillettes, évidemment, sur des viandes blanches, volaille rôtie, veau, porc, grillade, salade de bœuf, buffet froid, barbecue, effectivement. Et le vin est assez structuré, une entrecôte ne lui ferait pas peur non plus. Ok, mais ça... Du coup, en 2014, on pourrait avoir tendance à croire que c'est un peu jeune, mais du coup, c'est prêt à boire maintenant? Ah non, c'est justement ce côté éclatant, fruité, gourmand et croquant qu'il est intéressant. Ceci dit, on peut le garder 2 ans, mais ça serait un autre goût. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il est un peu plus punchy. Je trouve ça génial. Alors, sans discriminant, on dit que c'est un prêt à boire. C'est un prêt à boire et c'est un vin de soif, mais sérieux. Bah, très belle trouvaille en Alsace. Domaine Pfister, Pinot Noir 2014. Bravo Jean-Michel pour cette belle trouvaille. Bravo surtout au domaine Pfister et à ce travail impeccable. Et très bonne dégustation à vous, à très bientôt. Bonne dégustation.